salam alaikum. Bonjour les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend votre soutien et vos encouragements tout en vous demandant de partager, de la partager sans modération autour de vous et auprès de vos connaissances. Un tout grand merci. Un tout grand merci pour votre aide. L'essentiel de cette séquence, donc cette deuxième séquence, nous essaierons... De poursuivre tranquillement le SUQFD de votre bled Mararibia, ce qui fait débat, ce qui fait discussion, ce qui fait démonstration. Donc, c'est-à-dire en cette nouvelle Algérie, ce qui en fait dictature. Donc nous allons poursuivre donc ce CQFD au travers de son pas moins célèbre refrain 1 2 3 où va l'Algérie. Nous allons commencer par nous interroger sur le bilan des deux années de Hirak et l'espoir ou le désespoir qu'il a suscité d'une impossible ou possible renaissance algérienne. Tout d'abord, pouvons-nous dire à propos de ce férac le peuple algérien lui-même s'est interrogé ou s'est-il interrogé un jour sur son indépendance qui est restée et qui demeure toujours aujourd'hui sans réelle autonomie ni interne ni externe. C'est pourquoi le CQFD de Bled Mararibia fait son petit constat. On venons régulièrement, mais en venant cette fois-ci, faire débat avec vous pour justement en constater que tous les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays ont-ils réellement assuré des jours nouveaux libre et démocratique depuis ce qui est appelé l'indépendance de ce pays. Si ce pays était réellement libre et démocratique, alors à ce moment-là, ça se saurait. Mais nous tenterons quand même ensemble de répondre à ces questionnements que tout un peuple se pose de actuellement. En effet, dans ce constat, ce petit constat de Bled Mararibia, il est à remarquer que tant les anciens que l'actuel régime au pouvoir, tous, tous sans exception, ont bâti leur sombre carrière sur des chimères trompeuse. En effet, une fois arrivé au pouvoir toujours avec l'aide des militaires puisque ce pays n'a connu que ce régime, le régime de l'armée à l'exemple du dernier d'entre eux, c'est-à-dire le régime actuel, tous ont tenu ce même discours promettant monde et merveilles. Ils ont seriné en boucle des discours, toujours et à chaque fois, la même chanson que du vent, disant que nous vous avons compris, plagié d'un certain célèbre président général. Nous vous avons compris, nous vous construisons un nouveau modèle et il continue de garder les mêmes habitudes de répression, de fortes ingérences armées, le pays ne connaît que ça, d'élections. En élection truquée, etc., etc. Donc ces régimes, ces différents régimes, aux méthodes, on ne peut moins mafieuses, continuent toujours d'emprisonner des, diss des dissidents d'hier, d'aujourd'hui, du Irak ou même pas du Hérak. Il continue d'assiéger des mandataires à Gogo, au sein même de son propre parlement, celui qui a ratifié sa nouvelle constitution, pour mettre sur orbite un certain apprenti sorcier. Une constitution sur mesure pour une accession probablement pas sur mesure pour un pouvoir sans véritable élection. Par ailleurs, cette élection, combien et combien contestée? Une, op une opposition décimée par manque de véritable leader et aucun projet d'avenir pour un pays en pleine déroute. Il, se, il suffit de regarder et d'observer rétrospectivement son rétroviseur pour constater que les 20 dernières années D'autocratie qui se sont défilés ne sont en réalité que la continuité idéologique placée, instaurée depuis une pseudo-indépendance tant attendue et qui n'en est même pas une. Le peuple effectivement, attend sa véritable indépendance. La même politique conduisant aujourd'hui l'armée à détenir tous les leviers du pouvoir pour une seule compétence acquise, qui leur est acquise, celle d'emprisonner la plupart des dirigeants et tout espoir de changement qui retombe rapidement. Dans cette Algérie nouvelle de nos jours, minée jusqu'à l'os, plus aucun soulèvement ne pourra désormais étouffer ces militaires. Combien n'a-t-on pas chanté haut et fort que cette Algérie-là se comportait en pièce maîtresse du Maghreb, de l'ensemble de l'Afrique du Nord. Puisque son armée tente coûte que coûte de s'imposer sur la scène politique en essayant de jouer un rôle tant ouvertement qu'en coulisses. Dès lors, le souvenir de la guerre civile des années 90 n'a fait que consolider cette influence afin de museler toutes les ethnies du pays. A commencer par terroriser les Kabyles, les Mzab, les Touaregs et toutes autres tribus du pays, lesquelles demeurent sans autonomie ô combien réclamées depuis cette indépendance, cette nostalgique indépendance. Aujourd'hui, les autorités policières sont omniprésentes, menant toutes sortes d'actions pour garder les privilèges de cette caste au pouvoir. Des groupes entiers ont main-mise sur une gouvernance douteuse, en s'y maintenant coûte que coûte, sans aucun partage tout en s'y contentant à leur guise et à leur gré. D'autre part, il est vrai que pour régler la grosse facture sociale, tout en maintenant un budget à l'équilibre, l'Algérie doit compter sur un prix du baril de son pétrole à 100 dollars, alors que, que ce prix frôle à peine aujourd'hui les 40 dollars. Ce qui fait que cette Algérie ne peut s'attendre dans un proche avenir, un déficit, si ce n'est une faillite. Ce qui met dorénavant fin à tout mouvement de contestation au sein de cette nouvelle Algérie. Face à cela, aujourd'hui, les citoyens ordinaires le citoyen du bas, comme on dit. Les citoyens du bas, donc, sont à la fois sceptiques concernant les fausses promesses d'une présidence depuis sa prise de pouvoir et quasi absente. Aucune nouvelle décision rien depuis plus d'un an. Et avec sa nouvelle constitution, ce régime et sa présidence autodésignée ou autoproclamée continuent d'enfermer en prison tous journalistes démocratiques, dont certains se sentent exilés malgré eux. Ceci se passe dans ce pays qui arbore une pseudo-liberté d'expression sans l'arborer réellement. Aujourd'hui, les citoyens en ont marre de ces promesses non tenues par cette vieille garde depuis une certaine indépendance de juillet 1962. Aujourd'hui, désormais, ces mêmes citoyens savent qu'il n'y aura au grand jamais de vraies réformes dans ce pays. Comme si l'histoire serait un éternel recommencement, au même titre des airs ou du passé qui se sont succédés en cette Algérie. Il faut savoir que les citoyens aujourd'hui et celui d'hier. Ces citoyens n'ont jamais cru au génie tant de leurs anciens que de leurs nouveaux dirigeants. Parce que tous, comme très connus dans ces pays-là, ils s'autoproclament ou ils sont autodésignés d'avance. C'est pourquoi ce citoyen ou ces citoyens du bas ne croiront pas aujourd'hui à la moindre gloire, ni au moindre espoir venant de leurs néocolonisateurs au pouvoir aujourd'hui. Tout le monde sait que ces néocolonisateurs ne renonceront jamais et au grand jamais à leurs vices, comme si c'était une ou des dépendances. Mais comme toutes vilaines habitudes conservées, l'avenir nous dira certainement si ces dictateurs ne procéderaient-ils pas aux promotions de leurs amis, de leurs proches, incompétents, et surtout de ceux qui ne le méritent point. Cette vieille garde complètement déformée, réformée en ancienne armée, soviétiser cette armée dont la seule mission connue à ce jour est de se rendre coupable d'abominables exactions envers sa propre popul population telle qu'elle l'a toujours fait durant presque six décennies. La leçon de ce CQFD, de ce qui fait dictature aujourd'hui, nous apprend que dans ce genre de pays, non vraiment autonomes, et des pays de ce genre qui ne l'ont jamais été, on trouve amusant un semblant de libre expression à travers des médias qui leur sont acquis. Car c'est lorsqu'on est loin, mais loin de chez soi, qu'on se découvre subitement ou nostalgiquement en ayant la réputation de se construire ou de se reconstruire autour de soi avec les autres. Et c'est comme cela qu'on se fait réellement connaître ou reconnaître. Il suffit pour ces gens de regarder autour de soi pour constater si ce régime et ce pouvoir vit dans le même monde que les autres. C'est le cas de cette nouvelle Algérie. Et pourtant, nul n'est prophète en ce pays, en son pays, mais l'avenir nous réservera certainement des surprises. Donc, qui vivra, verra. Nous sommes, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et. Avant de vous fixer rendez-vous pour une prochaine fois, je vous remercie infiniment pour votre attention, votre fidélité, en vous priant de ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Maradebia en vous y abonnant pour recevoir en primeur les dernières séquences vidéo. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. al salam wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois, inshallah!